Bonjour tout le monde, hello hello, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live créatif. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vois que vous êtes déjà quelques-unes à être arrivées, donc coucou tout le monde, Evelyne, Sandrine, Makati, Émilie, Martine, Fabienne, Gazelle, Sandrine, Nathalie, Monique, Laurence, coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue, je suis très contente de vous retrouver en ce mercredi après-midi, il est 14h, presque, hein, on va dire ça. Et donc, comme chaque semaine, on se retrouve pour un nouveau live créatif, un petit moment rien qu'entre nous, pour oublier tout ce qui se passe autour. Et on en a bien besoin, quelles que soient les raisons. Voilà, coucou Crapouillot, ça va mon petit? Coucou Nadine. Hello Martine. Martine, j'ai vu ton mail, je vais te répondre tout à l'heure, mais une des premières réponses que je te donne, c'est oui, tu peux choisir, c'est dans le formulaire. Voilà. Coucou Virginie. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme cet après-midi. Et puis, si c'est pas le cas, eh ben, oubliez tout. Posez-vous tranquillou pendant 1 heure. Et puis, partagez ce moment avec nous. Vous allez voir, ça va être sympa. Bah alors, Crapouillot, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es malade? Non, t'as pas le droit. Oh, le sourire commercial. Moi? Non, mais ça suffit, tu vas pas compenser, toi. Je n'ai pas un sourire commercial. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Hein? Angine, bon. Ben, t'as plus qu'à te soigner, mon petit, c'est pas la première fois, dis donc, hein. Oui, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là, mais du coup, il est malade, il va être calme. Ça va changer. Pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la toute première fois, d'abord je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Je dis nous parce que je suis là, moi toute seule, mais il y a tous celles et ceux qui sont là chaque semaine et qui mettent en général une bonne ambiance sur les lives, dans les commentaires. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je dis nous, parce que je suis jamais toute seule. Il y a toujours ma petite troupe derrière, donc ça c'est cool. Peut-être un lifting, Fabienne. Eh bien écoute, pourquoi pas, hein? Peut-être pour cacher les cernes, parce que là, le mascara suffit pas. Voilà. Coucou Pascal, comment vas-tu? J'ai vu que tu avais fait un super voyage. J'espère que c'était bien, a priori, donc c'est que t'es rentré. J'espère que ça va. Voilà, vous voyez dans les commentaires déjà, ça commence. Il commence à faire les andouilles, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Donc si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas, allez sur les commentaires, commentez à votre tour, faites-moi un petit coucou pour me dire que c'est la première fois que vous arrivez. Coucou Annelise, comment vas-tu? Coucou ici, gros bug, pourtant j'ai la fibre. Ah oui, alors ça c'est malheureusement, les mystères des réseaux en tout genre, parfois se connecter et se reconnecter peuvent fonctionner. Coucou ma Sandrine, tu vas bien? Hello Muriel. Positive au Covid, Laurence, depuis lundi, mais je pète la forme. Bon, bah écoute, c'est magnifique, tout va bien. Coucou Véronique, comment ça va? Ah, bah Cécilia, t'es là finalement, super. Bon, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui, donc je vais essayer d'être assez rapide. Coucou Isa. Comment ça va? Je vais essayer d'être concise, claire, rapide. Je vais essayer, hein, je vous promets rien. Alors, vous le savez, en ce moment, on est en pleine promo Celebration. La Celebration, pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est une période promotionnelle. Ça commence mal. Promotionnelle de 2 mois, donc du 4 janvier au 28 février. Période pendant laquelle vous pouvez, dans un premier temps, obtenir au moins une dizaine de cadeaux à choisir dans une brochure pour vos achats dès 60 euros et par tranche de 60 euros. D'accord? Donc des cadeaux offerts qui sont trop beaux. Voilà. Et dans un second temps, je vais très bien, Véronique, merci beaucoup. Et dans un second temps, en fait, pour celles qui vont décider de rejoindre mon équipe pendant cette période, Stampin' Up! Vous fait le bonheur et la joie de vous offrir 2 sets de tampons à choisir dans les catalogues en vigueur actuellement, c'est-à-dire le catalogue annuel, ne l'oubliez pas celui-là parce que vraiment il est vraiment magnifique,
et dans le mini catalogue qui vient de sortir donc depuis le 4 janvier, dans lequel vous allez voir, pouf, on craque toutes et tous. Merci Eliane, c'est super gentil, bienvenue, bienvenue. Alors, je vois que ça défile. Coucou Marotine, ça va ma bichette, je t'avais pas vue. Ça coupe beaucoup, ouais, je suis désolée, je peux rien faire du tout, les amis, pour le réseau. Vraiment, je n'ai pas de solution. Déconnectez-vous, reconnectez-vous, peut-être que ça fonctionnera mieux. Ne venez pas, dans quoi vous vous embarquez, c'est des folles. Dis donc, Rapouillot. Non, justement, il y a une super ambiance dans l'équipe. Là, d'abord. Coucou Brigitte. Oui, moi aussi, je suis contente de te retrouver. Super. Bienvenue. Et pour compléter toutes ces bonnes nouvelles, nous allons avoir une nouvelle collection éphémère qui va sortir dès le 1er février. Peut-être que vous avez déjà vu passer la publication sur mon blog ou sur ma page Facebook. Une collection qui nous ressemble en fait, tout simplement, qui s'appelle Tous Ensemble. Je vais vous la montrer là rapidement. Et puis du coup, je vous propose quelques petites choses en complément. Sachez que lorsque vous allez rejoindre mon équipe, pendant cette période-là, eh bien cette collection, vous y aurez accès dès maintenant, tout de suite là. Vous pouvez la choisir, la collection complète. Du papier, des poinçons, des tampons et des nouveaux blends qui sont juste incroyables. Vous allez voir, je vais vous les montrer. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Il n'y a aucun souci. Je vais arriver à la déstabiliser d'ici la fin du live. Crapouillot, j'ai envie de te dire, fais gaffe! À deux doigts de la perruque, je te préviens. Ça suffit. Il y en a déjà deux qui m'ont bien gonflé aujourd'hui. Bon, rien à voir avec vous, hein. D'accord? Alors, je suis d'humeur. Tu vois ce que je veux dire? Attention. Coucou Nicole, comment ça va? Non mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? On a un filleul et il a décidé de foutre le bazar. C'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein, je vous assure. Coucou Maddy, comment ça va? Coucou ma Camille, j'espère que tu vas bien. Anise, sur le téléphone, la connexion est bonne. Parfait, magnifique. Ça veut dire que tu vas pouvoir suivre sans aucun problème. Je vous rappelle aussi que les inscriptions à la box mensuelle, qui a de plus en plus de succès d'ailleurs, et vraiment je vous en remercie du fond du cœur. Les inscriptions pour la box de février s'arrêtent demain, le 20. Donc si vous avez besoin, si vous avez envie, d'accord, de rejoindre cette petite box mensuelle. Merci Claudine. T'as raison Brigitte, je vais pas me laisser faire. Si vous avez envie donc de rejoindre ce petit abonnement de la box mensuelle, donc vous avez jusqu'à demain pour la box de février. Je suis en train de rechercher ma souris qui s'est sauvée. Voilà, différents abonnements vous sont proposés, donc n'hésitez pas. Pour toutes les choses dont je suis en train de vous parler, pour que vous n'ayez pas à rechercher à droite, à gauche, etc. Lorsque vous êtes actuellement sur Facebook, au-dessus de la vidéo, vous allez avoir tous les liens dont vous aurez besoin pour aller chercher les infos, pour savoir un petit peu plus pour ce qui est de la collection Tous Ensemble, le lien pour rejoindre mon équipe, le lien vers ma boutique, le lien vers la box, si je ne l'ai pas oublié, mais dans auquel cas je le rajouterai, bien sûr. J'ai un doute. Voilà. Vous avez toutes les infos dans le lien. Annelise, tu as des photos en fait qui sont. Tu as une photo déjà qui est dans l'affiche, mais je pourrais aussi t'envoyer en privé des photos des box précédentes, puisque chaque mois en fait j'envoie un petit colis surprise, donc ce qu'on appelle les boxeuses sur le groupe, puisqu'il y a un groupe privé dédié, ne savent jamais à l'avance ce qu'elles vont recevoir. C'est toujours une découverte à l'ouverture du colis. Donc je pourrais t'envoyer des photos après le live, il n'y a pas de souci. Merci Muriel. D'ailleurs en février, la tienne, ça sera la dernière, ma belle. La box mensuelle est dans le blog. Oui, Evelyne, tout à fait. Elle est sur le blog, mais je pourrais aussi te renvoyer le lien. Mais je vais le remettre hein, au-dessus de la publication, il n'y a pas de souci. Et si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, eh bien ces liens, vous pourrez les trouver en bas.
dans la barre d'infos. J'ai mis exprès. Ok, Annelise, pas de problème. Il n'y a pas de souci. On verra ça après le live, il n'y a pas de problème. Je t'enverrai des petites photos. Ok? Je pourrais même t'envoyer la box du mois de janvier, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore. Mais moi, j'avais fait une photo, donc je pourrais vous la montrer, mais en secret. Muriel, tu vas renouveler? Génial. Merci, ma belle. Et c'est toujours une merveilleuse découverte. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Du coup, vous voyez, vous avez là, en temps réel, des réactions de mes boxeuses. Voilà, je ne peux pas tricher. Ça a l'air de leur plaire, donc ça, c'est top. Qu'est-ce que t'as, Cathy? Pourquoi tu fais des grognons comme ça? Enfin. Alors, bon, aujourd'hui, on est là quand même pour un live créatif, pour réaliser une petite carte 3D qui peut se poser, qui peut être mise en exposition par la destinataire ou le destinataire, bien sûr. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça tient dans une enveloppe. Coucou Patricia. Oui, oh bah t'auras pas été là longtemps. J'espère que tu vas bien, je te fais des bisous. Oui, Cathy s'énerve, on sait pas pourquoi. Allez, hop, je vais basculer. Je vais en profiter pour vous montrer rapidement la collection donc, qui va sortir le 1er février. Ok, vous avez les liens avec tout ce que je vous propose à cette occasion. Hop. Toi, tu veux une box de la... tu veux une photo de la box de janvier, Laurence, mais quelle chipie, celle-là. Et normalement, elle est arrivée au point relais, faut que t'ailles... Ah, tu peux pas y aller, c'est vrai. Zut. Bah, va falloir que t'attendes. Et bah voilà. Pour une fois, j'ai préparé mes papiers à l'avance, Émilie. Super, ma belle. Nathalie, coucou Nathalie, tu vas bien? Coucou, je suis bien tentée par la box. Marie-Christine, il n'y a pas de souci, pas de problème. Il doit y avoir le lien, je vais le remettre. Hein, sinon, il n'y a pas de souci. Je vais le renvoyer, il n'y a pas de problème. Sinon, vous m'envoyez un petit message privé. Vous avez besoin de rêver? Ouais, moi aussi, j'ai besoin de rêver. Je suis d'accord. Allez, on y va. Je vous montre la fameuse nouvelle collection. D'abord, on a des papiers en 15-15. Il y en a beaucoup, vous allez voir. Tous différents. On peut s'amuser, bien sûr, à les coloriser. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est le thème principal. Hein. Tous ensemble. Voilà, mieux ensemble. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Un peu vaseuse, Nathalie. Pose-toi tranquillement. Prends soin de toi. Et profite de l'instant en oubliant ce qui se passe autour. Je suis sûre que ça ira mieux après. Hop, voilà. Vous imaginez hein, toutes les colorisations qu'on peut faire, bien sûr. Soit avec la brosse à estompe, avec les Stampin' Right, avec les Stampin' Blends. Bref. Il y en a plein des possibilités. Regardez-moi ça, ces petites mains avec les cœurs. Encore des petits cœurs. Vous avez vu ça? On peut vraiment s'éclater parce que du coup, on a vraiment une base qu'on peut adapter avec plein, plein, plein d'autres collections et de couleurs. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Avec plaisir, Nathalie. Voilà, je vous les montre assez rapidement. Vous aurez bien sûr l'occasion de les revoir. Là, ça vous donne une idée. Voilà, et on arrive au dernier. Donc, le format 15-15, vous aviez bien sûr 48 feuilles dans le paquet, donc vous avez largement de quoi faire. Ouais, Camille, elle est belle, hein? Bien sûr, je vous ai parlé du set de tampons. Le voici, regardez-moi ça. Vous avez vu comme c'est sympa? C'est top, hein? Donc, il se présente comme ceci. Et on a bien sûr des découpes avec des poinçons. Donc, nous avons la découpe des deux mains ici qui forment un cœur. Et des deux mains ici qui se rejoignent par le petit doigt. Ben voilà, j'hésitais pour le papier, c'est fichu. Tu vas craquer? Je suis désolée. Mais je sais que tu m'aimes quand même. Un crapouillot. Oui, Claudine, elle est vraiment très très belle. Et donc ici on a des petits mots où il y a écrit « là pour toi » et « tu comptes ». Bien sûr on imagine tout ce qu'on peut rajouter avec, c'est vraiment super. J'adore tellement de symbolique derrière tout ça. Oh oui ma chérie. Coucou Nicole, ah elle vous plaît aussi. J'ai du mal avec le papier, j'arrive pas à me projeter pour savoir quoi en faire. Mais si, plein plein de choses, imagine que tu les colorises déjà, tu vas voir que tout de suite tu vas pouvoir te projeter beaucoup mieux. Ah.
J'ai pas hésité, moi j'ai craqué dès le premier jour. Bah oui Camille, t'es comme moi, comme t'es démo, toi tu y as déjà accès. Voilà. Donc celles qui vont me rejoindre dans l'équipe là tout de suite maintenant, bah si elles veulent, elles peuvent l'avoir tout de suite aussi. Delphine, ça te plaît aussi? Bon, super. Et c'est pas tout. La dernière chose qui complète cette collection, regardez-moi ça. Il me faut mes deux mains. Alors ça, moi, ça me fait rêver, en fait. Parce que vous le savez, les blends, c'est mes chouchous. C'est mes préférés, je les adore, je les adore. Et là, on a toute une gamme. Ok, ils sont mélangés, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Je les ai pris comme ça. Voilà. Toute une gamme de couleurs pour les colorisations de peau. C'est juste incroyable. De peau, mais d'humain, mais pas seulement. Vous verrez pourquoi, mais un petit peu plus tard. Ça, c'est vraiment la gamme qui nous manquait pour les colorisations. C'est l'éclate. Et donc, du coup, dans la publication que j'ai faite ce matin, je vous ai concocté un petit truc en plus. Voilà. Une petite proposition comme ça, avec un petit nuancier, puis des petites surprises en plus. Donc ça, c'est pareil, vous avez le lien sur Facebook en haut de la vidéo, là. Allez voir, vous verrez. Après le live, hein, pas tout de suite. Du coup, je vous propose en fait, si vous avez trois options différentes, que je ne vais pas vous détailler maintenant parce qu'on a autre chose à faire. Je vais m'évanouir, mes petits chouchous, les blends. Non, ne t'évanouis pas, reste avec moi. Bonjour, est-ce que je peux avoir le prix de l'abonnement pour la box? Coucou Dominique. Alors, je peux vous mettre vite fait à l'image ici, sinon vous aurez. Alors attendez, il faut juste que je fasse une modif. Hop, celui-là. Excusez-moi, il faut juste que je fasse une petite manip. Voilà, vous les avez à l'image, mais vous retrouverez le lien de la box. Du coup, vous aurez tout. Ok? C'est bon pour vous? Hop, je repasse là. Donc, avec les différentes options que je vous propose, dans deux des options, vous verrez donc sur l'article, je vous propose un nuancier fait maison. Alors, qui ne sera pas colorisé, je vous laisserai le plaisir de le réaliser vous-même, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, où vous pourrez avoir tout le temps sous la main un aperçu de vos couleurs. Voilà. Et en plus, vous aurez, selon votre option, des petites étiquettes. Petit zoom. Petit zoom. Voilà. Des petites étiquettes comme ça à coller sur les bouchons de vos feutres, du coup, pour toujours savoir à quoi ça correspond. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse cliquer sur le lien après live, tous ensemble, tous Stampin' Up! by Harmony Scrap, pour avoir toutes les infos. Si je prends, les frais de port sont de combien? Alors, Gazelle, est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de la box? De toute façon, tout est expliqué dans. Je vais y arriver, hein, dans les articles. Donc, si tu as besoin, je te transmets le lien, il n'y a pas de souci. En fait, les frais de port, ça dépend du mode de livraison que tu vas choisir. Alors, en gros, shop to shop 4,50, Mondial Relais 4,90, Colissimo 7,99. Voilà, c'est selon tes choix. Allez, c'est parti cette fois. On va démarrer la carte. Donc je vous la remontre. Voilà la petite carte qui tient debout toute seule. Voilà ce qu'elle donne. Du coup, elle peut se replier et elle se rentre dans une enveloppe sans souci. Ici, le papier design, c'est un des papiers de la Celebration qui est incroyable. Gratuit, des 60 euros d'achat, c'est quand même pas mal. C'est des papiers en 30-30, regardez. Voilà. Avec quoi j'ai travaillé. Donc tout simplement, j'ai pris celui-là, le recto et le verso pour ma carte. Vous voyez, tout simple, vraiment l'idéal. Et du coup, j'ai complété. Oui, le choupisson, mais chut, parle pas du choupisson. Pour l'enveloppe, j'ai récupéré un morceau de mon papier design pour customiser mon enveloppe. Et du coup, je vais faire pareil. C'est encore ce zoom-là qui m'agace. Voilà. J'ai customisé mon enveloppe avec
le papier design. Du coup, ça sera parfaitement coordonné. Hop, ma petite carte rentrera nickel dans mon enveloppe. Regardez comme c'est joli. C'est top, hein ? Alors, je vais vous donner la mesure de la bande de papier pour customiser les enveloppes. Donc, on est bien sûr sur une enveloppe Stampin' Up. Donc, je vais vous donner les mesures en fonction, bien sûr. Mais vous voyez, ça donne une petite touche supplémentaire. Voilà, à cette enveloppe. Oui, oui, Muriel, tu vois, je viens de le dire. Enveloppe Stampin' Up, exactement. Et du coup, je vais vous donner donc les mesures pour la bande de papier. Vous allez voir, c'est très simple. Puis, je vais le faire avec vous, avec ma carte du live. Voilà, voilà. Maintenant, vous savez tout. On va pouvoir commencer. Donc, ça, c'est les papiers de la Celebration. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler avec une collection qu'on a beaucoup, beaucoup vue au printemps dernier et qu'on a un petit peu mise de côté. Et ce qui est bien dommage parce que c'est une collection qui est absolument magnifique et qui est dans le catalogue annuel qui se trouve être encre animée. Oh, elle est pénible de nous faire craquer comme ça. Mais non, je suis pas pénible. Voilà, encre animée. Celle-ci, donc, vous voyez, elle est dans le catalogue annuel et elle est juste incroyable. Gros bisous, ma Camille. À bientôt. Oui, oui, c'est flou, mais ça revient de temps en temps, Claudine. C'est ma caméra qui fait des bugs par moment. Alors, ça revient toujours, vous inquiétez pas. Encre animée, incroyable. Je l'adore, cette collection. Elle est trop belle. Donc, voilà, on repart un petit peu. Ta collection chouchou, Muriel, ça m'étonne pas. Elle est vraiment trop belle. C'est avec celle-ci que je vais travailler. Ça marche? Et avec cette collection, on a bien sûr des tampons, des découpes, et notamment une découpe magnifique que je vais utiliser aujourd'hui, vous allez voir. Allez, on y va. La caméra, elle joue, oui, elle se joue de moi, surtout. Ok, alors, je prends mon matériel. On va partir avec la base de cartes. Très simple. Hop, là, vous avez tout à l'image. Normalement, c'est bon. Oui, quand même, on l'aime, notre harmonie. Ah, merci, Crapouillot. Tu me fais du bien. Nouveaux horizons, toujours pas dispo. Non, ma petite Martine, toujours pas. Pour l'instant, on a une date au 31 janvier. Voilà. On espère que ce ne sera pas encore prolongé, mais malheureusement, avec la situation actuelle, tout est compliqué partout, que ce soit dans les ports, les aéroports, les fournisseurs. Tout est compliqué, voilà, mais c'est pas grave, on en a tellement plein d'autres avec lesquels on peut s'amuser. J'ai envie de vous dire un petit peu de patience et vous allez voir la joie que vous aurez quand vous pourrez y avoir accès. On est d'accord ? Excusez-moi. Base de cartes, vous avez les mesures à l'image. Une base unie de 26,7 par 10,8. Nous allons venir faire 4 plis sur le bord long. Vous allez voir, c'est super simple. Alors. Ben non, moi je n'ai rien. Annelise, tu n'as rien, de quoi tu parles? Dis-moi. Coucou Laurence, comment vas-tu? J'attends mon mini kit. Oui, alors, pour celles et ceux qui m'ont commandé les kits échantillons, souvenez-vous bien, j'avais sur mon article de blog indiqué que les envois se feraient à partir du 25 janvier. N'oubliez pas. Or, après un travail acharné, je vous informe que les échantillons sont partis ce matin. Donc, vous allez les recevoir. J'ai juste pas eu le temps de vous envoyer un mail pour vous informer, c'était prévu après le live. Voilà. Mais du coup, ils sont tous partis, vous allez les recevoir. Donc bien sûr, sans nouveaux horizons, mais c'est pas grave, je vous l'enverrai après. Je voulais vous faire une petite surprise en vous envoyant vos kits un petit peu plus tôt que prévu. Et puis voilà, j'ai comme du coup, j'étais pas sûre de la date à 100% pour le papier, je préférais ne pas vous faire attendre, donc... Voilà, bientôt, ça devrait très très vite arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. La base de notre carte, donc 26,7 par 10,8. Nous allons venir faire 4 plis, je vous disais, sur le bord long. Oui, c'était fin janvier, exact, c'était prévu le 25 janvier. À partir du 25 janvier, les envois.
Sandrine, t'as reçu la notification point relais. Oui, c'est ça, je l'ai envoyée ce matin. Exactement, tout à fait. C'est bien parti. Oui, Delphine aussi. Oui. Exactement. Alors, on y va. Le premier pli est à 1,3. Hop. Allez, on se lance. 1,3. Vous allez voir, c'est super simple. Le plus long, ça va être de coller les papiers. Le second à 4,5. J'espère que vous voyez, mais vous avez aussi reçu. Pas reçu, je viens de lire reçu. Je dis n'importe quoi. Les mesures ici, et Sandrine vous les a également mis, les mesures mises en commentaire. Donc 4,5 pour la deuxième. 9,5 pour la troisième mesure. Et on termine à 12,7. Hop. Voilà. Donc là, on se retrouve avec 4 plis. J'étais en train de me dire 4 ou 5. Non, non, c'est bien 4. Et en gros, vous voyez, on va tous les plier en montagne et le petit pli viendra se mettre donc ici sur la carte. Avant de le coller, bien sûr, on va décorer, hein. Donc ne collez pas tout de suite ce fameux petit pli. Avant de terminer ça et de s'attaquer à la déco et à tous les autres papiers, vous allez prendre le deuxième morceau de papier uni qui lui mesure 12,7 par 7,6. Coucou Catherine, comment ça va? Bienvenue à ce live, j'espère que ça va te plaire en tout cas. C'est super. Donc 12,7 par 6, par 7,6, pardon. Et là, encore une fois, nous allons faire cette fois deux plis, toujours sur le bord long. D'accord? De la couleur, ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord. Pierre rose poli ici pour s'accorder avec encre animée, vous allez voir. Avec plaisir, Catherine. Alors, je positionne mon bord long. Je viens faire le premier pli, encore une fois à 1,3. Coucou Rachel. Juste un petit coucou en passant, je ferai en replay. Je suis toujours sur l'album. Ouais, tu m'étonnes. Pas de problème, ma belle. Gros bisous et éclate-toi bien. Coucou Louison. Non, c'est hyper facile à faire. C'est hyper simple. Mais hyper simple, mais du coup, ça a un super rendu, je trouve. Voilà, c'est super sympa. Coucou Francesca, comment ça va? Allez, on fait les plis. Donc le premier, je répète, il est à 1,3 sur le bord long. Et le deuxième à 4,5. Voilà, le plus dur est fait. Hein. J'ai envie de vous dire, quel que soit votre niveau de scrap, c'est pas compliqué. Hein. C'est même plus simple que la carte pop-up de la dernière fois. Et j'ai des débutantes qui l'ont faite parfaitement bien. Donc là, du coup, on peut s'éclater. C'est vraiment top. Quelle couleur le papier? Alors, Véronique, ce papier, c'est un couleur des Incolor 2021-2023. Celle où il y en a 5. Et celle-là, c'est Pierre Rose Poli. Vous retrouverez, pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois, à la fin du live, dans l'article de blog, toute la liste du matériel que j'aurai utilisé, donc avec toutes les références, et également la fiche technique aussi avec toutes les mesures. Donc vous pourrez faire ça tranquillement en replay si besoin. Alors, je viens marquer mes plis. Voilà. De rien, Véronique. Avec plaisir. Je suis un petit peu là pour ça, hein. J'ai envie de te dire. J'ai failli te louper tellement concentrée dans mon projet Hexagone et Patagone. J'ai hâte de le voir d'ailleurs, ma petite Laurence. Hop. Voilà. Voilà cette carte-là, Laurence, elle est. C'est loin de ton haut niveau. Hein. Mais je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir des petites cartes simples à réaliser comme ça, où on peut se faire plaisir avec la déco. Alors, Anise, en montagne. Je t'explique. Ici, on considère que quand le pli tourne vers le haut, c'est une montagne. Si je l'avais plié dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle la vallée. Donc ici, j'ai une montagne. Ici, j'ai une vallée.
C'est un petit jargon histoire de traduire un petit peu plus facilement. J'espère que ça t'aide. Donc ici, j'ai un pli montagne et ici, j'ai un pli vallée. D'accord? En l'occurrence, ici, pour les deux morceaux, on est sur des plis montagne pour tous les plis. Voilà, j'espère avoir été claire. Hop, je continue de marquer mes plis correctement pour être tranquille. Tiens, j'ai un bout de papier qui se promène. De rien, Anise. Voilà, donc ça, vous l'aurez compris, ce morceau-là, c'est celui-ci. Ok. Hop, donc vous voyez, on va venir, une fois qu'on aura mis notre papier design ici, on va venir coller donc le petit pli qui est là. On va venir le coller donc sur l'intérieur de la carte là. Et pour ça, il nous suffira simplement d'aligner le second pli avec le haut de la carte. Mais on va le faire ensemble, vous allez voir. Avant cela, il faut que nous passions à la déco, c'est-à-dire au papier de mattage et au papier design. Pour cela, c'est pareil. Pour celles qui ont eu le temps de préparer leur matériel, vous avez déjà les mesures. Alors, je mets mon design de côté pour l'instant. Hop. Voilà, ça fait un petit peu de papier quand même. Bougez pas. Ne bougez pas. Je vais quand même vous montrer mon papier design. Le papier design que j'ai choisi, c'est celui-là. Il est beau, hein? Comment faire une enveloppe? Claudine. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le présenter en live. Vous pouvez trouver, par exemple, sur Internet, des machines spécifiques pour réaliser les enveloppes. Sinon, après, il y a des tutos très simples pour créer soi-même ces enveloppes. Si vous parlez de la customisation de l'enveloppe Stampin' Up que je vous ai montré, ça, par contre, on va le faire ensemble. Donc, ça, c'est mon papier design. Et pour coordonner donc avec ce papier, puisqu'il y a certains papiers, vous l'avez vu tout à l'heure, qui a des parties dorées, alors pas celui-là, mais les autres aussi, j'ai choisi de prendre. Ouais, il est beau, Louison, hein? Du papier doré, tout simplement. Et celui-ci, ça va être mon mattage. Le mattage qui va venir à l'intérieur ici. Donc, ça va se rabattre comme ça. Donc, ici, je vais mettre le papier de mattage qui mesure 13,4 par 10,3. Ok? Je vais coller au fur et à mesure pour qu'on ne perde pas trop de temps. De rien, Claudine! Donc, je viens coller mon papier de mattage. Donc, tout simplement un papier uni qui a pour but de faire ressortir un petit peu plus le papier imprimé, le papier design. Là, ça ressort en plus super bien avec le rose. Ça va être top. Voilà. Le papier design qui va par-dessus, quant à lui, il mesure 12,9 par 9,8. Regardez comme c'est joli. J'adore. Le papier se suffit à lui-même, c'est incroyable. Ça serait vraiment top s'il refaisait la machine, ouais, ça serait vraiment génial. Mais pour l'instant, j'ai pas ces infos-là. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais voilà. En attendant, ça peut se trouver sur le net. Je viens donc coller mon papier imprimé. Voilà, vous avez donc les deux mesures en question ici. Et puis celles qui vont le faire en replay, vous avez la fiche technique, donc pas d'inquiétude. Même pas besoin d'avoir un petit brouillon à côté, vous aurez tout sous la main. Faut quand même dire que ces fiches techniques sont un sacré boulot et qu'elles sont assez uniques. Ok, bien. On va continuer la déco de la carte avant de venir coller notre petit rabat ici. Donc, si on imagine que j'ai collé mon petit pli, je vais venir décorer le dessus et l'avant. D'accord? Donc, ce sont les mesures que je vais vous donner tout de suite. Coucou Isabelle, ça va ma piche? Ma biche, ma bichette, ma belle. Je m'emmêle les pinceaux, pardon. Je suis désolée. Donc, pour cela, on ne va pas se tromper de sens, on fait attention, notre carte va se positionner comme ça, donc la déco sur le dessus et sur l'avant. D'accord? Pour cela, il vous faut un morceau
de matage qui vient ici, qui lui mesure 10,3 par 2,7. Je vais le faire au fur et à mesure pour pas vous perdre dans les mesures. Donc ça c'est calé, je le mets de côté. Ok, donc là je m'occupe de la déco du dessus. Gazelle, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'envoie du soleil à tout le monde. Ah, toi t'as du soleil, t'as de la chance. Donc je colle déjà mon papier de matage. J'ai pour tous mes matages, je suis restée dans le doré. Voilà. Hop. Et bien sûr, un papier imprimé par-dessus qui lui mesure... Non, je vérifie si c'est le bon. Oui, 9,8 par 2,2. Ah oui, en paca. Ah ouais. Oh, t'as de la chance. Nous, il fait humide, il fait froid, il crachouille. C'est pas fun, hein. Ça change des 3 jours de givre qu'on a eu. Ça faisait des années qu'on n'en avait pas eu, d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc, je vous rappelle, on est sur le dessus, là. Et ça, on a le matage et le papier imprimé ici. Alors, sur le papier doré, la colle prend un tout petit peu plus de temps à tenir. Donc, on y va tranquille. Claudine, vous avez du brouillard? Ouais, ça crachouille un peu. Hein. Ça marche bien, rosé doré. Ouais, ça ressort vraiment super bien. J'ai rien inventé. Hein. C'est Stampin' Up! Qui a créé le papier. Et du coup, dans le papier... design, on a là je sais pas si vous voyez, il est incrusté là le doré dans certains des motifs, donc c'est juste trop beau. Ici aussi, où est-ce qu'il y en a d'autres aussi, là dans le, alors vous voyez ça brille, dans le vert aussi il y a des petites incrustations de doré, c'est vraiment magnifique. Donc du coup évidemment Muriel, 4 degrés et tout gris, bah ouais on est encore dans l'hiver. Ok, je passe sur l'avant ici, donc je vous retire ça et je viens prendre un autre morceau de matage qui va venir ici. Vous voyez la mesure, 10,3 par 4,5. Ok, hop, donc je vous mets le post-it ici, je vais enlever cela aussi pour ne pas vous perturber. Et cette fois-ci, je vais prendre mon morceau de papier imprimé. 9,8 par 4. Ok, je vous les laisse par deux. Donc c'est parti, je colle celui-là. Hop, voilà. Ici. C'est vrai que ça ressort bien. Hein. C'est vraiment trop beau. Et je viens le coller à l'avant. Ici. Hop. Comme je n'ai rien fixé encore, l'idéal c'est, voilà, de mettre à plat. Et du coup, on peut bien appuyer et être sûr qu'on colle droit. Voilà. Ok. Ça commence quand même à prendre forme, hein, vous avez vu? C'est joli, hein? C'est joli tout plein. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va continuer la déco donc de cette partie-là et ensuite on va pouvoir faire l'assemblage. Donc, ici, on va venir décorer le dessus et l'avant. D'accord? Du coup, ça va être très simple puisque, vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais chez Stampin' Up, une collection, toutes les couleurs de cette collection sont coordonnées ensemble. Aucun risque de faute de goût. Donc, tout simplement, là, pour changer un peu, donc je suis restée quand même dans le matage en doré, donc là je vais venir sur l'avant, d'accord, je reste en doré ici avec ces mesures ici, avec ce temps on fait des recettes d'hiver, ce week-end lentilles, saucisses, hier chili con carne, c'est bien, ça tire bien chaud et bien encore. Et du coup sur le site on se rend pas compte du doré de, sur cette collection. Anise, je suis d'accord et c'est à ça que je sers. Justement, c'est à ça que je sers parce que du coup, le fait de vous montrer comme ça à l'image de façon un petit peu plus vivante les produits et de les mettre en situation, du coup, ça vous aide, ça vous permet de mieux vous rendre compte de ce qu'ils donnent en réalité.
Donc vous remarquez ici, c'est le papier que j'ai pris hein, pour la base de ma carte. Sauf que pour l'avant, là, pour le petit panel avant, eh bien je vais simplement utiliser son verso. Voilà, aucune faute de goût puisque vous voyez, on est vraiment dans la coordination. Et puis du coup, il y a le petit doré qui ressort ici, vous voyez. Ça va être trop joli. Donc tout simplement, je viens le coller ici. On ne se trompe pas de sens. Ok, c'est parti, on colle. Encore une fois, rien de compliqué. Hop, voilà. Merci pour le panneau, j'ai dit panel, n'importe quoi. La fille, elle yoyote un peu. Voilà. Hop, et je viens coller donc sur l'avant du panneau. Zou. Hop. Voilà. Ça ressort encore mieux, je trouve. Regardez, c'est beau. C'est top, hein? Allez, maintenant, on vient s'occuper du dessus. C'est bon pour ces mesures-là. Hop, je mets ça de côté. Et je prends donc les deux derniers morceaux, qui sont beaucoup plus petits, hein, bien sûr. Mon doré 7,1 par 2,7, donc il vient ici. Et mon papier imprimé, je reste toujours sur mon beau vert. Ici, le 6,6 par 2,2. Hop, et ça va venir ici. Zou, ça faisait longtemps. C'est Crapouillot qui t'a énervé en début de live. Oh, mon petit Crapouillot. On va aller lui faire un grog. C'est vrai qu'il est calme du coup. Il s'est sauvé. Hop. Voilà. Et je viens coller ça sur le haut. Allez. Oh, ma petite marotine. C'est pour toi que je le fais. Puis je suis sûre que ça rend service à plein d'autres personnes pour les post-it. Tant mieux, si c'est pratique pour toi et que tu vois clair, moi c'est, ça me va. C'est peu de choses, hein. Ok, bon, on a l'essentiel de notre déco qui est faite. Je vais rajouter deux petits éléments, mais après seulement, vous allez voir, ça va tout faire ressortir avec une seule découpe. Bougez pas, vous allez voir. Crapouillot a tout donné en début de live, puis ça l'a mis KO. Il ne tient pas sur la durée, ça je suis assez d'accord. Excusez-moi. À force de papoter toute seule, j'ai soif. Alors, hop. Maintenant, on va venir assembler tout ça. Première étape, je viens coller mon petit rabat de la base de ma carte. Ok ? Donc, l'essentiel va être de s'assurer qu'on ait un joli rectangle bien droit et que tout soit bien aligné. D'accord? Vraiment, c'est pas compliqué. L'avantage de le faire avec la colle, par exemple, c'est que vous allez pouvoir bouger un petit peu. Si vous êtes plus à l'aise avec le double face, bien sûr, aucun problème. Mais comme je suis en live et que je risque de faire des bêtises, du coup, je vais plutôt utiliser ma colle. Mais oui, on compatit avec notre crapouillot, bien sûr. S'il n'était pas si loin, on irait prendre soin de lui. Hein. Hop. Allez, je viens coller ça. Je fais attention à ce que ce soit le plus droit possible et aligné sur les bords de ma carte. Voilà, et une fois que ça c'est bon, je peux bouger. Voilà. Voilà, on l'aide à prendre la forme. Oui, moi aussi, ça me convient, les petits papiers. Ah, ça vous aide, ça t'aide aussi, Véronique, les petits papiers, les petits post-it, tu veux dire? Bon, bah, c'est parfait, alors. Ok. Non, il en jouerait, ce bougre. Je suis d'accord, Fabienne, t'as raison. Ok, là, ça y est, on a notre base de carte qui est fixée. Du coup, nickel, ça va se refermer. Voilà. Ça va être top, ça tient debout, on est plutôt pas mal. La référence du papier doré, celui dont je me sers dans le matage, c'est le
132-622, papier doré de matage, Annelise. Ok, alors maintenant on vient coller cette partie-là. Donc vous en doutez, pardon. C'est par ce petit pli-là que nous allons coller. Donc, première étape, on va coller ce petit pli. Deuxième étape, on viendra ici coller juste le bas qui viendra se coller sur l'avant là. D'accord? Pour cela, je vous remontre ici. Hop, pardon. Ah oui, je ne vous ai pas montré l'arrière. J'avais décoré. Donc vous voyez ici, j'ai mon petit pli qui est collé. D'accord? Si je remonte ma carte, donc on a le premier pli et ça c'est le deuxième pli. Si je remonte ma carte, le deuxième pli, il arrive au bord de ma base. D'accord? Donc, la chose qui va être la plus simple à faire, ça va être de positionner, d'accord, notre deuxième pli. Donc, on va centrer par rapport au côté. Là, ça ne l'est pas tout à fait. Ok? On centre, on positionne pour être sûr d'être bien au bord. On n'oublie pas, il s'agit bien du second pli. D'accord? Hop. Voilà. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir venir coller mon petit pli ici, celui de 1,3. Et je vais venir le coller sur mon papier design. Ok? Voilà. Donc là, pouf! Comme ça, s'il y a besoin, je vais pouvoir bouger, mais là, ça me paraît pas mal. Donc là, mon petit pli est fait. Il est collé. Hop. Voilà. Donc après, il nous reste... Oui, Nathalie, merci d'être passée, ça c'est gentil. Pas de problème pour le replay, tu le sais, il n'y a pas de problème. Plein de bisous, ma belle. Il nous reste donc la partie basse à venir coller. Pour qu'on ait une certaine mobilité, vous voyez quand je rabats comme ça, okay, c'est comme ça qu'on va venir coller le bas de ce panneau-là. Tout simplement, on va venir mettre soit un morceau de double face, soit une ligne de colle, comme vous voulez, d'accord? Mais en ayant bien pris soin de replier notre carte. D'accord? Donc là, elle est en position debout. Je la mets à plat, comme ça. Ok? Donc là, je fais pareil. Voilà. J'aplatis tout comme si elle était fermée et que j'allais la mettre dans l'enveloppe. Et tout simplement, je vais venir mettre soit une bande de double face, soit un trait de colle ici, pour venir l'accrocher ici. Ok? C'est clair pour vous? C'est pas compliqué, hein? Ça marche? Alors, c'est parti. Donc, une dernière fois, j'ai mon cube, mon rectangle qui est comme ça, ouvert. Je le replie comme si ma carte était fermée. D'accord? J'assemble tout. Et là, tout simplement, je viens mettre un trait de colle ou une bande de double face ici. Voilà. Je m'assure toujours que mon deuxième pli là soit bien au bord de ma carte. Je me suis mis de la colle sur les ongles. C'est parfait. Voilà. Voilà. Donc je fais attention. Hop. Que je prends le temps que ça tienne bien. Je prends un petit bout de sopalin, n'est-ce pas? J'ai un petit peu débordé. Voilà, je retire l'excédent de colle. Youpla. Voilà. Et du coup, on a la mobilité nickel. Vous voyez? Ça donne ça. C'est joli, hein? Sympa, hein? Alors, il me reste deux petites astuces à vous donner avant la fin de ce live. Ne bougez pas, vous allez voir, ça peut vous être utile. Donc, là, je vous ai dit, je vais rajouter un élément de décoration avec une seule découpe. Et vous allez voir qu'elle est magnifique. Juste avant cela, je vous montre. Parce que là, du coup, vous allez me dire, super, j'envoie une carte. Et j'écris où, du coup?
Et bien derrière, comme je l'ai fait, ici, on rajoute simplement un morceau de papier blanc à l'arrière qui mesure, cette mesure aussi je vous l'avais donnée, 13,5 par 10,3. Ok. Et là, vous constaterez que, en fait, ces deux tamponnages ne viennent pas de la collection encre animée, tout simplement parce que je l'ai combiné volontairement avec un autre set de tampons que j'aime beaucoup, qui lui aussi fait partie de l'annuel et qui est toujours dispo, qui s'appelle Charmante Amie. Voilà, ce sont ces petits feuillages ici. Et cette petite fleur que j'ai utilisée pour décorer en fait l'arrière de ma carte. Donc du coup, ça vous montre qu'on peut vraiment combiner différents sets de tampons et ne pas s'obliger à rester cantonné à une collection. On peut adapter en fait. Donc ça, c'est génial. Donc tout de suite, je viens coller mon morceau de papier blanc à l'arrière. Comme ça, j'aurai bien la place d'écrire un petit mot au ou à la destinataire. Merci Louison, c'est gentil. Donc là, je la plie comme ça. Je fais attention de m'arrêter au pli, là, bien sûr. Voilà. Hop, ça a l'air un petit peu décoré à l'arrière. Ça ne fait pas que tout blanc et rose. Donc là, on est sur, vous avez vu, je suis restée sur la même couleur que la base du papier, donc pierre rose poli. Et ici, épinette enivrante, qui fait aussi partie des couleurs dans la collection. Donc ça, voilà, on a le petit espace pour écrire le message à la personne à qui on envoie la carte. Ok, bon, l'autre étape, c'est la fameuse découpe que je vous montre tout de suite, qui fait donc, voilà, cette fois partie bien sûr de la collection, et qui n'est autre que cette découpe. Je l'ai découpée dans le papier doré, le même que j'ai utilisé pour mon papier de matage. Regardez comme elle est belle. Regardez comme c'est fin, détaillé. Vous pouvez bien sûr vous amuser avec cette découpe, vous pouvez en séparer les morceaux bien sûr, mais elle est juste magnifique. Plusieurs possibilités pour coller cette petite chose, n'est-ce pas? Vous avez dans un premier temps les feuilles adhésives, d'accord? Donc ça c'est pareil, elles sont disponibles dans l'annuel, ça vous permet de faire la découpe, de coller cette feuille sur le papier uni et de la passer dans la machine. D'accord? Comme ça, vous avez juste la protection à retirer à l'arrière et à coller directement. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, tout simplement, vous allez voir pourquoi. Parce que ma découpe dépasse de ma carte. Ce qui veut dire que là, en fait, la fameuse feuille adhésive, elle n'aura pas d'utilité et même risque de me poser des problèmes au moment où je vais rabattre. D'accord? Donc, l'autre option possible, sachant qu'il y a plein de petits trous là-dedans, et que du coup, avec le tube de colle, c'est le meilleur moyen de s'en fiche partout. La petite solution que je vous propose, c'est de prendre le tapis en silicone. D'accord? Je retourne ma découpe. Je dépose de la colle sur mon tapis de silicone. Ok. Et en fait, je vais prendre un doigt éponge. Alors ça, basique, hein, vous connaissez. Je vais récupérer de la colle avec mon doigt éponge. Il est évidemment dédié à ma colle, hein, bien sûr. On ne s'en resserre pas après pour tremper dans les pattes d'encre. Et du coup, hop, je viens déposer un petit peu de colle légèrement. Attention à ne pas faire bouger votre découpe au moment où vous déposez votre colle pour que du coup, au moment où ça bouge, vous voyez, il y a de la colle qui se dépose sur le tapis si vous la bougez. Vous allez récupérer la colle sur l'avant de la découpe. Donc, il faut faire attention à ça. Ok? Donc, ça, c'est une astuce pour éviter de s'en fiche partout. On peut utiliser aussi les glue dots, mais là, on n'a vraiment pas beaucoup de place pour les positionner, même s'ils ne sont pas très larges. Donc, l'astuce du doigt éponge et de la colle, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop. Donc, je fais attention de ne pas en mettre partout à mes extrémités. Merci, ma routine. Et du coup, je vais pouvoir maintenant venir positionner ma découpe. Donc là, je vais faire attention. Voilà, parce que quand elle va se refermer, je ne veux pas qu'elle dépasse, sinon je vais avoir un souci dans mon enveloppe. Voilà, là, elle ne dépasse ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés. Donc c'est nickel. Voilà. Par contre, on a vraiment cet effet 3D en plus. Regardez.
Et là, elle ressort vraiment super bien. Merci, gazelle. Et après, le tapis se nettoie en un clin d'œil. Ah oui, un petit coup sous l'eau et hop, pouf, terminé, on est tranquille. C'est une astuce ici que vous pouvez utiliser, le doigt éponge et la colle sur le tapis de silicone, pour coller de façon très discrète le papier vélin aussi, vous savez, qui ressemble à du papier calque. Si on met la colle directement dessus, vous allez avoir une tache blanche. Par contre, si vous la disséminez, la colle tranquillement avec le doigt éponge ou avec une éponge, du coup, aucune trace. Et pour finir, je vais juste rajouter un petit sentiment qui lui aussi vient d'un autre set de tampons, mais cette fois du mini catalogue. Le set à l'honneur, dans lequel il y a plein de beaux messages super sympas. Et de donc, je suis partie sur Juste pour toi, que j'ai tamponné en pierre rose polie. Tout simplement, sur du blanc simple. Voilà, que je vais venir coller, hop, ici en décalé. Voilà, ça va être nickel, que je vais coller avec des dimensionnales, donc mes mousses 3D. C'est la seule chose que je n'ai pas prise avec moi, bien sûr. Donc je les attrape tout de suite. J'ai pris les petits, hop là, et je viens coller mon étiquette en 3D. Comme ça, on fait le 3D jusqu'au bout. Merci Madrine Brine, c'est gentil. Hop, voilà, je vais venir coller ça juste ici. Tout simplement, et puis pour rester dans le petit côté doré quand même, allez, on se fait plaisir avec les petits. Merci Paul Delaty, c'est gentil. Les petits papillons en laiton qui eux sont dans le mini. Je vais me faire plaisir et en mettre un petit là. Ou même un gros, tiens. Hop. Un gros papillon doré en haut. Ici, la petite touche en plus. Voilà. Tout simple. Je vais peut-être en mettre un tout petit sur mon étiquette là. Ici. Voilà, à plat ça ira vachement mieux, vous allez voir. Hop, décale-toi un chouïa. Yes, voilà, juste une petite touche de papillon, nickel. Voilà. Merci Muriel, merci Martine. Voilà ce que donne cette jolie carte. Et juste pour terminer, je vous avais promis de vous donner les mesures pour la customisation de vos enveloppes. Donc je vous rappelle que c'est sur la base d'une enveloppe Stampin' Up, bien sûr. Tout simplement, il vous faut un rectangle de papier design de 16,2 par 6 cm. En fait, moi c'est Maryse. Ah bah c'est perturbant. Je suis désolée. Comme votre nom de profil est à Paul Delaty, du coup. Alors Maryse, merci beaucoup. Je suis désolée. Mais merci de l'avoir précisé. Du coup, j'aurais l'air moins bête. Donc 16 par 2, 16,2 par 6 tout simplement. Donc là, je vais venir mettre de la colle donc sur le rabat avant de mon enveloppe. Voilà. Hop. Tout simplement. Comme ceci. Et je vais venir le coller pour au final le couper. Ça, c'était pas prévu, mais du coup. Voilà, je viens le coller juste au bord du pli. Hop. Tout fait à l'identique, super. Coucou Marcel. Alors, vous ferez en replay, le papier est superbe. Merci beaucoup Marcel. Hop. Donc maintenant que ça c'est collé, en fait, on prend simplement notre paire de ciseaux et on vient découper ce qui dépasse. Hop. Du coup, on a une enveloppe complètement coordonnée à notre création. Voilà, on vient juste s'amuser à faire le contour. Bon, même si on n'aime pas le détourage au ciseau, franchement, là, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà, on a juste à suivre le bord de l'enveloppe. Comme ceci. Hop, c'est le papier qui tourne et pas les ciseaux. Voilà. Et voilà. Toc.
Et du coup, on se retrouve avec une enveloppe parfaitement coordonnée, avec la collection, customisée, tout simple. Voilà. Oui, je sais, Maretine, que tu adores customiser tes enveloppes. Je l'avais déjà remarqué, ma belle. Voilà, on a un superbe ensemble. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des tamponnages dessus si vous voulez. Mais du coup, au moins, vous savez comment customiser votre rabat d'enveloppe. Et du coup, ça tombe nickel avec ça. Muriel, les enveloppes. Bouge pas, je te donne ça. Donc, les enveloppes, c'est 100, 159, 235. 159, 235. Et ben voilà, ça y est, on a nos deux cartes là. Voilà, un papier Celebration, un papier de la collection du catalogue annuel Encre Animée. Voilà, deux univers assez différents. Un projet super simple. Hein. Oui, Louison, t'as raison, c'est vraiment pas compliqué. Mais du coup, je trouve qu'on fait des belles choses, même avec des projets très simples. Donc ça, c'est super sympa, je trouve. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu en tout cas. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Que la découverte des petites astuces que j'aurais pu vous donner aujourd'hui vont vous servir pour vos créations. De rien, Muriel. Voilà, j'espère que vraiment vous allez pouvoir les utiliser et que ça vous facilitera vos futures créations si vous utilisez ce même principe. Oui, je sais, Drin Drin. Merci, Maryse. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, écoutez, merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci d'avoir été encore avec moi aujourd'hui pendant cette petite heure créative. J'espère que ça vous aura fait du bien. Moi, en tout cas, oui, beaucoup, vous m'avez vraiment fait du bien, donc merci vraiment beaucoup à vous. Gazelle, t'as plus que la déco à faire? Génial. Très jolie carte, merci pour le tuto. Merci Fatou d'avoir été là, ma belle, avec grand plaisir. Retrouvez bien sûr le replay sur YouTube et sur mon blog d'ici quelques minutes, le temps que ça charge, avec la fiche technique et également la liste des produits que j'aurai utilisés si vous avez besoin des références. Merci Claudine, merci Gazelle, c'est trop gentil ça. Et puis voilà, vous avez tous les liens dont vous aurez besoin au-dessus de la vidéo sur Facebook, dans la barre d'infos sur YouTube. N'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, à partager. C'est ce qui me permet en fait de continuer à progresser et à vivre de mon activité. C'est grâce à vous. Donc vraiment mille merci. Et puis rejoignez mon équipe. Vous allez voir, on s'amuse bien. On passe des bons moments. Donc c'est le moment, n'hésitez pas. Et tous les liens, donc allez-y. Et puis si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager vos créations avec le hashtag HarmonyScrap. Du coup, je suis notifiée et je peux moi aussi profiter de vos belles réalisations. Ça marche. Et on se retrouve surtout le 9 février pour les prochaines portes ouvertes. Et puis d'ici là, les lives du mercredi après-midi. Allez, je vous embrasse. Merci pour tout et à très très bientôt. Ciao, ciao!